le montant que vous allez toucher à la retraite vous fait peur, je vais vous donner mes conseils pour préparer votre retraite du mieux possible. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, on est aujourd'hui à Paris sous un magnifique ciel bleu et je voudrais vous faire cette vidéo, vous donner de la valeur sur cette partie-là, comment préparer au mieux votre retraite. J'ai la chance d'être intervenu ce week-end au séminaire de David le promoteur. Bonjour David, si tu me regardes, merci pour ton invitation. Et j'ai présenté aujourd'hui comment vous construire un empire immobilier. J'ai pu interroger l'ensemble des participants, il y avait environ 200 personnes, sur qu'est-ce qui comptait pour eux ou quel était leur souhait quand ils voulaient investir dans l'immobilier. Et bien, la majorité des investisseurs, des gens aujourd'hui, vraiment investissent dans l'immobilier parce qu'ils ont peur pour leur retraite, parce qu'ils ont peur du montant que vous allez toucher demain à la retraite, qui bien évidemment va être raboté et vu le contexte actuel, a priori, ce sera quand même malheureusement de plus en plus bas. Alors, est-ce que c'est une fatalité? Bien sûr que non. Comment il faut la préparer? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vraiment contrebalancer ça et augmenter vos revenus? Bien entendu, la société que je dirige avec mon équipe, investissementlocatif.com, permet aujourd'hui de préparer votre retraite puisqu'on accompagne à la fois un public quelquefois qui débute dans la vie active jusqu'à un public avancé qui souhaite préparer sa retraite. Et c'est vraiment tout l'intérêt de l'immobilier, ça va être de créer des revenus passifs. Et la plupart du temps, l'erreur qui est commise pour préparer sa retraite, c'est que le temps passe, il passe vite, on ne s'occupe pas suffisamment de ce point précis et donc on est dans l'attente. Et cette attente fait qu'on ne passe pas suffisamment à l'action. Et c'est dommage puisque l'immobilier, ça va être justement là pour préparer votre retraite, pour avoir un maximum de revenus passifs qui va vous aider demain à contrebalancer et avoir le maximum de revenus locatifs et comme j'adore l'appeler, un véritable empire immobilier. L'immobilier va directement vous aider puisqu'il va impacter positivement votre épargne puisqu'une fois que l'appartement bien évidemment sera remboursé, ça va vous permettre d'avoir de l'épargne et d'avoir des revenus alternatifs. Et la plupart du temps, on a vraiment ces deux raisons. On a parce qu'on prépare sa retraite ou on a parce qu'on veut léguer quelque chose demain à ses enfants. Et c'est aussi comme ça que vous pouvez le préparer puisqu'il y a un double avantage. Le premier, c'est bien évidemment de pouvoir en profiter, pouvoir en bénéficier, avoir des revenus supplémentaires. Et le second, c'est que le jour où vous le souhaitez, vous pourrez commencer et même potentiellement de votre vivant, bien entendu, à transmettre cet immobilier à vos enfants de manière à ce que la vie soit un petit peu plus facile pour eux et qu'ils puissent démarrer avec un petit peu plus que potentiellement zéro. Je vous invite à mettre en commentaire puisque vraiment avec grand plaisir, moi-même ou mon équipe, on regardera pour vous répondre le plus rapidement possible. Merci vraiment pour tous vos commentaires parce que vous êtes de plus en plus nombreux et on est mobilisés pour pouvoir vous répondre. Quand la réponse demande vraiment un petit peu plus de contenu, avec grand plaisir, on tourne une vidéo pour vous donner une explication beaucoup plus claire. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le gros bouton rouge en haut « S'abonner », la cloche pour recevoir l'intégralité des notifications. Et je vous dis à très bientôt pour vous aider à préparer à vous votre retraite avec investissementlocatif.com. Merci, à bientôt, ciao.